Bienvenue sur I Love Free. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous connecter en FTP sur la Freebox Revolution. La connexion FTP vous permet d'envoyer sur le disque dur de votre Freebox des fichiers, des photos ou des films personnels depuis votre ordinateur. Pour cela, vous devrez en premier lieu faire l'acquisition d'un logiciel FTP tel que FileZilla, logiciel gratuit, ou FTP Expert. À partir d'un ordinateur connecté à votre Freebox, allez sur le site internet mafreebox.freebox.fr. Une fois que vous êtes sur la page Freebox OS, entrez votre mot de passe comme indiqué à l'écran. Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous ne l'avez jamais activé, il vous suffit de cliquer sur le lien « J'ai oublié mon mot de passe ». L'écran digital de votre Freebox serveur, celui indiquant l'heure, vous affichera alors une demande d'autorisation. Cliquez sur la flèche de droite en façade de la Freebox serveur pour accepter cette autorisation. Une fois cette tâche effectuée, revenez sur votre ordinateur, choisissez un mot de passe de 8 caractères minimum puis validez. Vous êtes automatiquement redirigé sur la page Freebox OS. Cliquez alors sur l'icône Paramètres de la Freebox, ensuite Mode avancé, puis FTP. Activez le serveur FTP et choisissez un mot de passe. Notez l'URL ftp://mafreebox.freebox.fr pour vous connecter, ainsi que votre identifiant qui est Freebox. Cliquez sur Appliquer, puis OK. Muni de vos informations, identifiant, mot de passe et URL, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans les paramètres de connexion de votre logiciel FTP pour les retranscrire. Une fois connecté, vous pouvez maintenant copier-coller ou déplacer vos fichiers, vos photos ou vos vidéos de votre ordinateur vers le disque dur de votre Freebox serveur. Voilà, vous savez maintenant comment vous connecter en FTP sur votre Freebox pour envoyer des fichiers, des films ou des vidéos depuis un ordinateur. Je vous dis à très bientôt sur I Love Free pour de nouveaux tutoriels.